concrètement, il y a eu un audit interne pendant quelques mois avec lequel on a travaillé, qui a défini une organisation pour passer d'une chaîne de décrochage régionale, ce que nous étions à l'époque, à une chaîne de plein exercice, puisque nous n'avions, nous, pas d'expérience de ça. On n'aurait pas pu exister, on n'aurait pas pu faire cette chaîne, on n'aurait pas pu faire en sorte qu'elle trouve sa place dans le paysage culturel corse et dans le paysage social corse, sans l'adhésion des personnels. Tout le monde a eu à cœur de faire cette chaîne, tout le monde avait en tout cas le même objectif. Il y a des réflexions, une réflexion à avoir sur les formats, il y a une réflexion à avoir sur l'écriture de nos produits. Effectivement, on ne peut pas écrire les produits de la même façon que pour un programme télévisuel. Il ne faut pas considérer que les réseaux sociaux, que les plateformes sont uniquement des outils de promotion. Cela devient des canaux de diffusion à part entière. Ça veut dire qu'il faut aussi programmer, produire et programmer des produits audiovisuels spécifiques à ces canaux. Nous, notre cœur de métier, c'est de fabriquer de l'image et de fabriquer du contenu. Et en ce sens-là, on a un atout qu'on se doit d'utiliser, qu'on se doit de jouer, parce qu'on est vraiment très fort sur ce domaine-là, et que c'est un potentiel de développement énorme. D'ailleurs, en un an, par exemple, en une année, on a doublé le nombre de fans sur notre page Facebook, la page Facebook de Viastel. Donc on a des éléments précis qui nous viennent et qui nous permettent d'analyser mieux ce que nous faisons et vers quoi on peut tendre. D'abord, on sait, par exemple sur Facebook, qu'on a des spectateurs qui ont une tranche d'âge qui n'est pas celle de l'antenne, qui est beaucoup plus jeune. Donc on sait qu'on peut toucher. Aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes qui vous font remonter sur votre serveur, sur votre mur, sur votre espace, ce que vous consommez en priorité, qui analysent vos goûts, qui analysent vos centres d'intérêt. Et donc, effectivement, on va piocher dans tel et tel produit chez nous, enfin dans tel et tel poste, programme. Est-ce que c'est plus de l'actu, plus du programme, plus de la culture pour vous le proposer? Et donc, on a quand même comme ça une meilleure connaissance, entre guillemets, de notre public.